Le parti Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN reçoit du renfort dans l'arrondissement central d'Afrancou et à Diomon. Des jeunes, femmes, sages et notables sont descendus du cheval pour continuer leur combat politique au sein du parti du maïs nourricier. C'est à la faveur d'une déclaration dans la soirée de ce dimanche 18 décembre 2022 à Ahova qu'ils ont fait leur adhésion. Nos sages, notables et jeunes d'arrondissement d'Afrancou Centre et de Jomon déclarent officiellement notre adhésion collective du Parti Bloc Républicain en abrégé BR ce jour dimanche 18 décembre 2022. Nous déclarons par la même occasion notre adhésion au Parti Union démocratique pour un Bénin nouveau en abrégé UDBN. Désormais, nous nous engageons à œuvrer aux côtés de Madame Claudine Afiavi Prudencio, présidente du Haut Conseil du Parti UDBN pour le rayonnement de notre parti commun, le Parti de l'équité, de l'égalité des chances, de la promotion des filles et des fils du Bénin, le Parti du développement. UDBN, le Parti de l'avenir, UDBN, le Parti de l'avenir, UDBN, la marque des chances des Amazones. Présent à cette cérémonie, les responsables du parti, notamment le coordonnateur communal et les coordonnateurs départementaux Oumé et Plateau, qui ont accueilli à bras ouverts les nouveaux adhérents. Au nom de Madame la Présidente Claudine Afiavi Prudencio, présidente du Haut Conseil du Parti UDBN, je vous souhaite la bienvenue dans notre maison commune, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. Ce parti est un parti de masse, de toutes les couches sociales, sans aucune discrimination. Chers jeunes, sages et notables des arrondissements d'Afrancou Centre et de Diomon, par l'acte que vous venez de poser et surtout par votre engagement, vous ouvrez une nouvelle page politique. Je voudrais vous rassurer de l'approche participative qui gouverne la prise de décision au sein de votre parti. J'allais dire notre parti commun, l'UDBN. Soyez les bienvenus chez vous. UDBN, le parti de l'avenir. UDBN, le parti de l'avenir. UDBN, la marque des Amazines. La victoire est à nous. Par ailleurs, à ses nouveaux adhérents, il a été présenté les candidats des 19e et 20e circonscriptions électorales, titulaires et suppléants, qui vont défendre les couleurs du parti. C'était donc une occasion d'échange au cours de laquelle les nouveaux adhérents, conscients de l'enjeu, se disent prêts à apporter leur touche afin de relever le défi électoral.